la bonne heure. Éric Bussard met la télé sur écoute. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Vous aimez qu'on vous tacle. On commence avec une maman un peu inquiète. Ouais, c'est le futur maman d'un petit garçon qu'on a vu en train de passer une échographie dans l'émission Tellement Vrai sur Énergie 12. Je crois qu'elle en était à son 6e mois de grossesse ou quelque chose comme ça. Ce qui veut dire qu'elle a encore 3 mois pour réviser parce que le motif de son inquiétude me fait dire qu'elle a encore un peu de boulot. Je pense que c'est la première fois que le médecin entendait pareille question. Un garçon également. Décidément, les jumelles font tout de la même manière. Parfois avec des questions pour le moins incongrues. Il est recouvert de sa peau. Bah oui, il a un prépuce. La peau, vous savez, parfois les gens ils sont circoncis. Oui, non, il ne peut pas. Circoncis, c'est un acte chirurgical. Donc ça ne se fait pas comme ça. Donc il est là encore. Oui, obligé. Oui, donc elle pensait que l'enfant naissait déjà circoncis. Opéré de l'appendice avec les dents de salaire en moins, aussi on y est, comme ça on est tranquille. C'est pas bête, remarquez. Hein, non, mais on gagne du temps. En tout cas, bon, vu qu'elle attend un petit garçon, elle n'est pas concernée par ce qui suit. Mais pour ceux qui vont avoir une petite fille, j'ai entendu dans les maternelles sur France 5 un nouveau prénom que je trouve très sympa, très chic. Ouais. C'est né d'une bafouille, mais je trouve que c'est une super bonne idée en fait pour une petite fille. Comme ça, mais à répétition. D'accord. Alors, Magoulu, Magali, tu as vu... Magoulu, comment ça va, Magoulu? C'est mignon, non? Je crois que c'est le second prénom de Zaya, Magoulu. Oh. Magoulu, c'était autre chose. On se souvient tous de la fameuse blague de Marcy dans Intouchables. Bah oui, le fameux pas de bras, pas de chocolat. Mais attention, là, j'ai encore mieux avec de la blague de très, très haut niveau. Je peux vous dire que les Gad Elmaleh, Florence Foresti et autres Franck Dubosc ont du souci à se faire. Julien Lepers est dans la place. Type de ballon, des ballons munis d'hélices, ballon. Et pourquoi n'y a-t-il pas de ballon dans Question pour un champion? Parce que Julien le perce. Voilà. Ouais. Et en plus, il est fier de lui. Hein. Après le Jamel Comedy Club, bientôt le Perse Comedy Club, où il vous s'offrira en plus sur scène ses plus beaux poèmes qui sont à peu près du même niveau que ses blagues, c'est-à-dire grandioses. Je pense qu'Eric Nolo va avoir un coup de cœur parce que ça, écoutez Eric, c'est du très très beau texte. Bernard Caracol. Et François bricole. Et Bernard bombe le torse. François courbe le dos. Et attention parce que Bernard s'échappe. Bernard s'enflamme. François s'enlise. Ça s'arrange pas. Non, ça s'arrange pas pour toi. Il m'inquiète de plus en plus, lui. Hein. D'autant que son humeur est toujours aussi stable que le Space Mountain, c'est-à-dire qu'il est capable d'être charmant, exalté. Et hop, après deux secondes après, on a l'impression qu'il va exploser la tête des candidats sur le buzzer. Écoutez, et surtout toi, Rémi Fimelin, patron de France Télévisions, je te préviens, il vaudrait mieux que tu interviennes. Sinon, je pense qu'on va avoir un problème avec lui assez vite. Hein. Ça passe par le 3245. Il n'y a pas d'autre numéro. 3245. 3000 euros. À gagner. C'est la ville de Rennes, pas loin de Rennes. Je peux peut-être quand même saluer mes anciens collègues. Vous l'avez fait, vous avez salué tout le monde. Il n'y a plus que le poisson rouge que vous n'avez pas salué. Elle est au bout du rouleau. Là, il ne peut plus les piffrer, ces candidats. Je vous dis, il va les taper bientôt. Il en a marre. Il faut le libérer. Allez, on termine avec le grand concurrent de Julien Lepers. Et oui, celui qui lui dispute le titre de personnalité préférée des jeunes de plus de 97 ans. Le chanteur Franck Michael, qui est, vous le savez, numéro 1 chez les ados de 1924. Et d'ailleurs, ses fans, on a pu le voir dans 100% Max sur M6, elles sont à cran quand il s'agit de défendre leur place dans la file d'attente avant un concert. Là, je peux vous dire que ça rigole pas, c'est pire que pour un concert de Tokyo Hotel, écoutez. Et pour être sûr d'avoir les meilleures places, elles arrivent 3 heures à l'avance. Pour autant, pas sûr que cela soit suffisant, car il y a de la concurrence. Faut pas se bouffer pour si peu. Moi, j'ai jamais rien dit. Mais si, parce qu'Andrière, on fait des méchancetés, ça, j'ai horreur de ça. Pourquoi être méchant comme ça pour une place pour Franck Michael, franchement? On a tous payé la même chose. Ici avant. On t'a dit quelque chose? Non, c'est alors que tu t'es. C'est toi qui te retrouves. Attendez ça, Mamie Kaira, quoi, c'est le gang des cheveux bleus. Je suis sûr qu'elles enlèvent leur bridge et puis après, elles se cognent dessus à coups de sac à main, elles s'étouffent avec leur capote à cheveux, là. Après Rocky 4, Mamie 5. Et donc leur objectif, c'est d'être au plus près de la scène. Bon, déjà parce qu'elles n'y voient plus clair, hein, donc si elles sont au fond, elles voient rien. Mais en plus, elles veulent pouvoir offrir des cadeaux à Francky. Oui. Il en a plein d'ailleurs. Et effectivement, son bureau est un véritable musée des merveilles. Mais ce sont tous les petits cadeaux que les gens m'offrent en spectacle. Il y en a quelques-unes qui, quelquefois, a coupé une mèche de cheveux, c'est arrivé. Il y en a qui viennent même, ça plus ou moins où j'habite, elles se renseignent, elles passent dans la rue. Franck, des fois, on vous jette des petites culottes sur scène, c'est vrai ça? Oui, c'est arrivé. Des petites culottes, j'aimerais bien voir la taille de la petite culotte. À mon avis, ce sont les tantes canadiennes. Hein. Tu m'as piqué au milieu, tu dors en dessous sans problème. Oh non, un parachute. Et puis, à celles qui jettent les déambulateurs, les béquilles, tout ça. Non, c'est un métier dangereux, Franck Michael, faut pas croire. Éric Dussard, à demain.